une stricte égalité, mais une égalité des chances et de traitement. Oui, bien sûr, l'entreprise est un acteur fondamental dans la construction de la société, donc elle doit montrer l'exemple. Je ne suis pas fan des quotas, mais si c'est indispensable pour passer le cap, pourquoi pas? Mais la vraie égalité, c'est quand on ne comptera plus. Il faut être intraitable avec toutes les discriminations, quelles qu'elles soient. C'est encore un sujet, donc sujet de RSE, plus que ça, enjeu de société, et vivement que ce ne soit plus un sujet. Il y a surtout des bons partout, et on ne peut pas se permettre de se priver de 50% des talents qui existent sur Terre. Oui, la femme est l'avenir de l'homme, et j'espère bien que l'homme sera l'avenir de la femme, parce qu'on compte sur eux pour réussir cette parité, on a besoin d'être alliés, pas opposés. La correction, la politesse et le respect, c'est pas dépassé, au contraire, c'est important et c'est important pour tous, y compris pour les hommes. Il n'y a pas d'opposition entre les hommes et les femmes, je crois qu'on est avant tout complémentaires et en temps de crise, on a besoin de tous. Un fauteuil chacun, il y a de la place pour tout le monde.